Voici le témoignage de mademoiselle Choupo Alvin qui a manifesté ce 1er juin, qui a été interpellée arbitrairement, conduite au secrétariat d'État à la Défense. Elle a subi des tortures, des cas de torture, dont cette vidéo, on donne la parole à la questionnée pour qu'elle témoigne. Elle raconte tout ce qu'elle a subi au niveau du CERF, secrétariat d'État. Vous pouvez admirer la torture au niveau de ses cuisses. Elle a été copieusement bastonnée avec les machettes, avec les fils de courant, etc. Donc voilà encore ses vêtements de la marche qu'elle aborde. Mademoiselle Alvin Choupo, vous avez la parole. Dites concrètement qu'est-ce que vous avez subi de votre détention au niveau du secrétariat d'État à la Défense par les éléments de la gendarmerie. On nous a fait rouler sur du gravier. Ensuite, on nous a fait ramper. Après, on nous a auditionné. Au moment des auditions, à chaque fois que on n'osait parler d'un avocat, on se faisait copieusement bastonner. En fait, on n'avait pas droit à la parole, on n'avait pas le droit de s'exprimer. On devait faire ce qu'ils disent, comme ils veulent et quand ils veulent. Donc, la torture ne s'est pas seulement arrêtée à la bastonnade. Il y a eu des noyades, parfois les claques en ont plus fini, parfois même en passant, pendant qu'on vous demande des exercices impossibles à faire, il y a la tête en bas, les pieds en haut, en marchant. Les gendarmes te piétinent les orteils du doigt avec leurs rangers. Ils vous piétinent les orteils du doigt avec les rangers. Ce qui fait que vraiment, on a été sévèrement torturé. Vous pouvez voir, c'est ainsi, même jusqu'au dos, c'est comme ça partout. Telles étaient les conditions de notre détention jusqu'au jour de notre libération. À chaque fois qu'on ouvrait la cellule, on tremblait parce que c'était une nouvelle torture. Donc vous affirmez que avant qu'on procède aux auditions, on vous a torturé. Vous n'avez pas le droit de dire que vous avez besoin d'un avocat. Celui qui le disait, on le renvoyait encore à la bastonnade, aux tortures. Oui. Et même ce qu'on disait n'était pas forcément ce qui était écrit sur le procès verbal. Ils écrivaient à certains endroits ce qu'ils voulaient. Et au moment de signer, nous étions obligés de signer, sinon on passait à nouveau à la torture. Bon, je rappelle que vous avez encore les vêtements, vous sortez fraîchement du CERF. Donc cette vidéo témoignage est fait fraîchement du CERF. Et vous témoignez à ciel ouvert. Vous interpellez donc la communauté nationale pour prendre acte de la barbarie que subissent les Camerounais qui décident de manifester. Et ce n'est pas le seul cas du CERF. On a souvent eu des cas de torture au CERF. Donc, beaucoup de courage, madame Choupo, nous vous remercions pour ce témoignage.